de France se situe entre la Lozère et l'Aveyron, en région Occitanie. Des paysages faits de falaises et de forêts, aux hameaux lovés dans des rochers. Nous partons à la découverte de ce magnifique coin du sud-ouest, pays de bastides, de villages perchés et de châteaux forts, sans oublier ses vins et son exceptionnelle gastronomie. Un magnifique département traversé par le Tarn, rivière qui lui a donné son nom. Une destination qui connaît un grand engouement ces dernières années, par son aspect authentique et sa nature unique. Gaillac, une petite ville située dans la boucle du Tarn. Gaillac est connu pour son patrimoine historique et pour son vignoble qui l'entoure. Visiter le Tarn et ses bastides, un incontournable. Les bastides des villes ou des villages du sud-ouest qui ont été fondés au XIIIe et XIVe siècle. On en compte 48 dans le Tarn, avec en particulier Castelnau de Montmirail, Cordes-sur-Ciel, puis celle-ci peine. Nous passerons ensuite par la cité épiscopale d'Albi, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010, avec sa cathédrale Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale en brique du monde. Puis au cœur du pays occitan, Castres est une très jolie petite ville où il fait bon de flâner sur les bords de la rivière Agoute, avec ses maisons colorées au bord de l'eau. Petit camping bien sympathique à 16 km de Gaillac. Regardez-moi ce ciel bleu, splendide. Content de se balader comme ça. À 25 minutes de voiture d'Albi et à moins d'une heure de Toulouse, la ville de Gaillac, labellisée ville d'art et d'histoire, possède un excellent patrimoine culturel et historique, avec une architecture typique du Moyen-Âge. Perché sur les abords du Tarn, l'abbaye Saint-Michel a été fondée au Xe siècle, sur un terrain qui abritait, jadis, les vestiges gallo-romains. Elle témoigne de l'architecture typique de Gaillac, avec ses briques rouges, caractéristiques de la région. Cette abbaye a vu passer la guerre de Cent Ans, l'épidémie de peste noire et les guerres de religion entre catholiques et protestants. Se balader dans le centre-ville de Gaillac, c'est découvrir les petites places, pleines de vie, son marché, ses ruelles, d'admirables bastides historiques longent les rues de cette ville qui s'est développée de façon circulaire autour de l'abbaye. Le célèbre vignoble galissois, vieux de 2000 ans, est situé aux alentours. Seulement 10 minutes de voiture nous séparent du vignoble de Gaillac. C'est très peu.
surtout quand on pense à la richesse et à la diversité des vins. Les vins rouges de Gaillac sont connus pour leur puissance. Les vins blancs sont variés, secs, moelleux ou encore pétillants. Et les rosés sont à la fois fruités et légers. Un passage dans la ville de Gaillac est l'occasion parfaite pour visiter les domaines viticoles voisins et pour déguster les vins qu'ils produisent. Différents producteurs sont prêts à vous accueillir pour dévoiler les arômes et les secrets de fabrication des vins de Gaillac.